Parmi vous, il y a quelqu'un qui peut le raser. Ok, venez. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire la formation de Faucon? J'ai aimé la formation. D'accord. J'ai aimé la formation. Vous êtes déjà garde-corps quelque part ou... Non, pas encore. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez vos logs ici? Ça fait 17 ans. Là, 2008. Et qu'est-ce qui vous a forcé à couper les logs? Bon, j'ai aimé la formation. Ah, c'est interdit d'avoir des logs ici oui. À Faucon. Oui. C'est très important parce que nous sommes un corps paramilitaire et dans ce genre de formation, c'est beaucoup plus la discipline. Donc dans la discipline, et surtout qu'on va en formation, il y a tellement de choses qu'on fait, il est conseillé de couper les cheveux à ras complètement, la boule à zéro comme on a l'habitude de l'appeler, les ongles et tout ça. C'est comme on ne porte pas de chaîne, on ne porte pas de bagues, on ne porte pas de boucles d'oreilles pour la formation parce que ce sont des instruments qui peuvent blesser. Voilà un peu pourquoi nous exigeons qu'on coupe les cheveux pour cette formation. Et celui qui n'a pas ses cheveux coupés ne peut pas... Ne peut pas faire la formation. À moins qu'il y ait une ordonnance, ça veut dire une interdiction parce qu'il a une maladie, quand il coupe ses cheveux, délivré par un médecin agrémenté, assermenté, disons. Voilà. Monsieur, quand il dit repos, là, c'est la jambe gauche qui se détache. C'est la même jambe qui vient rejoindre encore la jambe droite. Vous voyez que ce que vous êtes en train de faire, d'autres détachent la jambe droite, certains détachent la jambe gauche. Ça fait que vous n'êtes pas lié. Bonjour. C'est bon? C'est ta première fois de venir. Bon. Qu'est-ce qui t'a motivé à... Parle, Yafol. D'accord, tu as été motivé par tes amis pour faire la formation. Merci. Bon, je suis là, Garafou, je reviens là. C'est bon. Où est le cas de mes pieds? C'est bon. D'abord, il faut reconnaître que c'est parce que j'aime d'abord le corps. Je suis intéressé par le corps et j'aimerais être un garde rapproché. Voilà pourquoi j'ai intégré la formation du Krav Maga. D'accord. Je suis le plus heureux du monde là parce que tout ce que je voulais faire, être un meilleur garde du corps. Pour partir, le civil doit savoir qu'il est civil. Et le civil n'a aucune autorité sur le corps habillé. Le corps habillé, c'est quelqu'un déjà qui a fait une formation commune de base. Faucon est une école de référence. Pour celui qui veut se faire former, pour celui qui aime ce métier, pour celui qui pense que être un agent de protection rapproché est un amour qu'il vient à Faucon. 3, 4, 5, 6. Oui. Il y a un engouement. Au niveau de la première promotion, d'abord, c'était pas aussi nombreux. Au fur et à mesure qu'on avance dans les promotions, on constate que le nombre de stagiaires augmente. Aujourd'hui, nous sommes à près de 100 stagiaires pour la promotion 7. Nous finissons après 4 mois de formation. Donc, après cela, ils seront à la disposition de tous ceux qui auront besoin d'agents de protection rapprochée pour leur poste de sécurité. Que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Tu dois t'arranger. Moi, je dois toujours voir. Ouais, ça là quoi. Tu dois toujours voir. Que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Après les 5 tours, vous suivez
Une. Action. Vous faites 5. La barre là. Vous faites 5. Après les 5, vous faites à domino. 50 à domino par personne. Il commence ici. Avec la roue là. On va vous montrer un peu comment ça se passe. Que personne ne bouge. Soulevez les pneus, monsieur. Soulevez les pneus, monsieur. Soulevez les pneus. Que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Viens. Monsieur, venez là, monsieur. Que personne ne bouge. 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 Personne ne bouge. Vertical, c'est incliné. Quand c'est comme ça là, tu as cette position, c'est ta poitrine, tu fais descendre. Non, viens, monsieur. Là, l'exercice passe. Là, tu voilà, très bien. Comme ta poitrine, fais descendre ta poitrine justement. Que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Que personne ne bouge.